Raúl Rosa Jr. a pris l'habitude de ne pas perdre de temps. Le Mexicain va vite. Très vite. Âgé de 18 ans, il est tout simplement le plus jeune combattant à l'UFC. Il est aussi le plus jeune à avoir remporté un combat dans la plus prestigieuse des ligues de MMA. S'il restait sur une défaite pour sa deuxième apparition dans la cage, Rosa Jr. a remis les pendules à l'heure samedi à la T-Mobile Arena de Las Vegas face à Terence Mitchell. Le pauvre Américain n'a pas compris. Si les coups pleuvent d'entrée des deux côtés, le Mexicain, poussé par un public acquis à sa cause à l'occasion de la UFC Noche, met Mitchell au sol sur un terrible crochet du gauche. La suite, c'est une avalanche de coups et une victoire par TKO après seulement 54 secondes dans l'octogone. Un deuxième succès impressionnant pour le phénomène mexicain qui frappe un grand coup chez les coqs. J'étais déçu de ma dernière performance, j'espère que je ne vous ai pas déçu, c'était un super comeback, a-t-il lâché à chaud au public, très mexicain samedi soir.